Bonjour à tous. Alors voilà le troisième volet, la troisième vidéo, enfin qui n'est pas une vidéo d'ailleurs puisque il y a une image à la place de la vidéo, une image de moi d'ailleurs, mais bon, c'était juste pour montrer qu'à 70 ans on peut être solide et bien si on a dans le corps les éléments nutritionnels dont le corps a besoin. Donc, on va faire un tout petit résumé. Vous avez entendu dans la première vidéo l'histoire de la société. Ensuite, l'importance de la bonne nutrition. Que l'OMS nous dit que la nourriture a perdu 70% de son pouvoir nutritionnel en 20 ans. Donc, il faut trouver des solutions. Qu'on va vous raconter beaucoup de choses. Parce que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Et les médecins s'y sont attelés, et les nutritionnistes sont apparus. Mais c'est toujours pareil, qui vous écoutez? Est-ce que vous écoutez la personne qui sait, ou la personne qui s'est engagée comme ça par rapport aux lois du marché? Ça, je ne sais pas. Donc c'est un produit alimentaire. Vous avez entendu ensuite pourquoi on va perdre du poids et surtout perdre les centimètres au bon endroit. Vous avez entendu les 8 points forts du produit, je vais vous les redire. Ils apportent au corps tout ce dont le corps a besoin journellement, ils nettoient et désintoxiquent l'organisme, ils donnent l'énergie et la forme, ils contrôlent et régularisent l'appétit parce qu'ils comblent les déficiences cellulaires, ils aident à la perte de poids, à la prise de poids, à la remise en forme pour les grands sportifs pour pouvoir être toujours en forme, avoir une bonne récupération, être hydraté, etc. Où j'en suis, moi. On continue de manger ce que l'on aime. C'est, je vais pas dire économique, parce que dans le cas où des personnes ne dépensent pas beaucoup pour manger, disons qu'ils vont être à fleur de budget. Parce que même des personnes qui n'ont pas de budget de nourriture, quand on est derrière eux et qu'on voit la manière dont ce qu'ils achètent quand ils vont dans un supermarché, ils remplissent le caddie, il y a au moins 30 à 50% des choses qui seraient inutiles, quoi, hein, qui n'est pas la bonne nourriture. Bon, ça c'est une autre histoire. Et puis le suivi qu'il y a, qui est très très professionnel et puis sympathique. Ensuite, nous avons vu, alors beaucoup plus pointu, la compréhension des éléments qu'il fallait absolument dans un corps pour qu'il fonctionne parfaitement. La chose très importante, c'est que le cerveau mange tout le temps et que les intestins, c'est un deuxième cerveau et que les deux fonctionnent ensemble, que l'on sait donc que quand on n'est pas bien dans sa tête, on ne sera pas bien dans son ventre et vice-versa. Ensuite, j'ai vraiment expliqué la nutrition cellulaire. Comment les cellules se refont, comment elles se dupliquent, et que lorsqu'elles ont les éléments dont elles ont besoin, ben elles vont se dupliquer et se refaire comme elles devaient être à votre naissance, et non pas comme elles avaient pris leur pli, leur mauvais pli, avec une hérédité qui remonte à cette génération. Nous avons parlé aussi du suivi, qui est capital. Moi, je ne vends pas un programme à une personne qui ne veut pas mon accompagnement. Donc maintenant, on va expliquer quelques petites choses. Alors, malgré le nombre de... L'an dernier, il y a eu 4500 systèmes de régime qui ont été relatés. Et pourtant, l'obésité... Alors maintenant, bon, je trouve que c'est un peu fort, mais il a été dit dernièrement qu'une personne sur deux, en France, on parle de la France, a une rétention pondérale. Bon, avant on était à 28% il y a quelques années, c'est vrai que ça a augmenté encore, mais bon, 50% ça me semble beaucoup. Par contre, les enfants, eux, c'est 300% de croissance en 10 ans. Donc là, c'est dramatique. Un enfant qui a du poids, ça sera très difficile pour lui pour prendre de l'âge sans continuer d'en avoir, quoi. Alors, il y a une chose qui est très importante dans la prise de poids. Ça, c'est un exemple que j'ai eu par
une personne qui est au plus haut niveau dans la société, qui lui aussi a bien entendu entendu tous les médecins, et il nous a expliqué ce qu'il avait entendu aux États-Unis. Disons qu'une personne qui a 20 ans, à 20 ans, on va dire que je parle d'une femme, elle va faire 60 kilos, suivant sa taille, et c'est à peu près comme ça qu'elle est bien. Et puis, elle a 40 ans, et là, elle en fait 80, parce que c'est à peu près les normes. Les gens qui prennent du poids, ils en prennent 20 kilos, ils prennent 20 kilos en 20 ans. 1 kilo par an, ça se voit pas beaucoup. Ça fait quoi? Ça fait 80, 70 grammes par mois. Donc on ne les voit pas arriver. Mais quand on a deux valises de 10 kilos de chaque côté, là on les sent. Et surtout, ce qu'il faut que la personne sache, c'est que là elle a 40 ans, elle fait déjà 80 kilos. Et dans les pays industrialisés, les statistiques, c'est que les personnes qui ont pris 20 kilos en 20 ans, quoi qu'elles fassent, parce que de toute façon, le métabolisme va ralentir, parce que au bout d'un moment, elle va peut-être dire bah, « je perds mon poids, je le reprends, s'il faut que j'aille faire du sport trois fois par jour, ou chez moi, ou dans une salle, etc., ça commence à me barber. » Et puis, elle peut très bien arrêter. Et de toute façon, quoi qu'elle fasse, les statistiques, c'est qu'elle va reprendre encore 20 kilos dans les 20 années à venir. Alors là, elle n'a que 40 ans. Elle pèse 80 kilos. Moi, quand je dis à la personne, regardez la courbe, vous avez envie, quand vous allez avoir 60 ans, de peser 100 kilos? Alors, c'est sûr que là, la personne, elle lève les yeux et les bras au ciel en disant « Non, 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 jamais. Si vous pouvez faire quelque chose pour moi, je pars avec vous. » Alors, je lui ai dit « Bon, ben là, c'est très, très important parce que moi, je vais m'engager avec vous. J'ai une obligation de résultat. Sinon, de toute façon, c'est satisfait ou remboursé intégralement. Parce que c'est vrai que vous pouvez encore essayer quelque chose. Il existe des trucs qu'on se met autour de la taille qui font transpirer, d'autres qui vous font vibrer. Donc, il y a plein de choses comme ça. Hein. Avant, c'était la ceinture Love Amour. Maintenant, je ne sais pas, il y a peut-être autre chose. Puis il y a tous les programmes. Alors c'est vrai qu'il y a des programmes qui existent, hein, en pharmacie ou ailleurs, et on parle surtout de perdre les kilos. On ne dit pas de reprendre la silhouette idéale. On ne dit pas de perdre les graisses sous-cutanées et les graisses à l'intérieur des organes ou autour des organes ou dans les artères. Ben, parce qu'ils ne savent pas. Et bizarrement, quand la personne perd du poids, elle perd aussi de la densité musculaire, elle n'a plus non plus la même densité de la peau, et la plupart du temps, elle n'a pas le sommeil qu'elle avait avant, et elle n'a pas la forme qu'elle avait avant. Quoi que les gens en disent. Là, c'est visible. Quand la personne perd du poids, là, je continue avec la personne qui pesait 110 kilos, il n'en revient pas, et lui, c'est encore pire que tout, puisque... il ne peut plus bouger, il s'est arraché les ligaments croisés en faisant une fausse manœuvre en descendant de son camion. Et il est déjà à, je ne sais plus là, combien, on est à 8 kilos de moins. On est à quoi? On est à 17 jours. Et il a perdu plus de 40 cm sur tout le corps, avec un bon sommeil, la forme, enfin un mieux-être, etc. Donc, il n'y a pas photo, comme on dit, hein. Bientôt, il y aura photo, parce que quand comme il s'est pris en photo au départ, quand il sera pris en photo dans 3 mois, rien que ses photos vendront les produits à ses amis. Quoi, hein. Donc, moi, je dis bien à la personne qu'elle peut encore essayer autre chose. Il y a même le fameux vélo d'appartement. Vous savez, celui qu'on met après sur le balcon et qui sert d'étendoir. Et alors, quand je dis ça à quelqu'un, elle rit parce que c'est effectivement ce qui se passe la plupart du temps. Alors, il y a Wet Très Cher, je crois. Ah non, Wet Cher, pardon. Et puis, il y a Slim Néfaste, peut-être, en pharmacie, ou Slim Fast, je crois, hein, pas Slim Néfaste. Je le dis comme ça, ça fait rire. Mais oui, effectivement, j'ai vu quelque chose de très néfaste, parce que ma fille, qui n'arrivait pas à perdre du poids, avant de connaître le programme de nutrition cellulaire, elle avait essayé Slim Fast. Et à 4h de l'après-midi, elle a dû partir avec le SAMU à l'hôpital.
Donc, je vais m'engager avec la personne. Je veux l'amener à ses résultats. C'est mon plaisir de faire ça. Alors, il y a plusieurs goûts. Il y a vanille, fraîche, chocolat, fruits exotiques, cappuccino, menthe, je ne sais plus quoi. Mais enfin, c'est tout délicieux. Moi, je conseille en premier temps la vanille. Parce que ça se met dans tout, si la personne aime la vanille, bien sûr. C'est pas très fort en goût de vanille. Donc ça, avec du jus de fruits, avec de la compote, avec du yaourt, il n'y a aucun problème. J'élimine entièrement le lait. Je ne veux pas que mon client prenne du lait, parce que le lait, c'est l'aliment du veau. Et quand il tète la vache, il prend 1 kg par jour. Donc c'est vraiment pas le bon plan. Pour que la personne puisse perdre du poids, elle va s'encrasser et ça se passera mal. Bon, tout ça, on le sait par les formations que l'on a eues, bien entendu. Alors, donc, elle va choisir le goût, de toute façon, et puis elle va choisir le programme qu'elle veut. Alors, le programme que la personne désire, ça peut être celui où il va y avoir la protéine, bien entendu, ce qu'on appelle la Formule 1. Il va y avoir les fibres, les vitamines, le complexe minéral plus qui agit sur la microcirculation, circulation qui réduit à sa plus simple expression la cellule graisseuse. Il y a les huiles de poisson, capitales comme on l'a vu pour le sang aussi, pour les yeux, pour les cheveux et pour le cœur. Et puis il y a le fameux thermogenics boisson qui donne l'énergie, qui casse les graisses moléculairement pour les transformer en énergie pour nourrir le muscle. Enfin, ça, c'est le programme complet. Il y a encore d'autres éléments dont je vous parlerai à un autre moment, mais qui sont vraiment des éléments extrêmement pointus, toujours à base de plantes, pour aller plus loin. Alors là, directement pour arrêter, pour éliminer le cholestérol, pour empêcher les problèmes cardiovasculaires ou de cœur. Et on peut le dire, ça, parce que effectivement, ce sont des grands scientifiques qui ont mis au point ces produits-là. Donc le programme complet, comme je viens de vous le dire, c'est 3,90 € le repas remplacé, donc ça fait 230 € pour le mois. Sans les huiles de poisson, ça fait 195 €. Alors ce sont des prix, en France on n'a pas le droit de dire que ce sont des prix imposés, mais moi, pour moi, les prix conseillés, c'est des prix imposés, et tous mes distributeurs doivent agir de la même façon, parce que sinon, on ferait n'importe quoi. Alors, il y en a qui font n'importe quoi, c'est sûr. Maintenant, il faut savoir si vous aurez un suivi derrière. Il faut savoir si vous n'achetez pas des produits qui avaient passé leur date de préemption. Après, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez et prendre les risques aussi que vous voulez. Moi, je sais ce que je permets, ce que je me permets, ce que j'offre. C'est obligatoirement comme j'ai été enseigné par le fondateur et par tous les médecins que j'ai rencontrés, qui nous a dit: il y a une façon de faire les choses, c'est d'être propre, honnête, et que vous soyez duplicable pour ceux qui travaillent dans votre organisation. Donc, c'est facile, je demande à la personne, quand elle m'a bien écouté, et si vous me mettez un commentaire ou si vous m'appelez au 06 33 35 04 49 ou 09 84 19 69 76, je vous demanderai si, avec tout ce que vous avez entendu, vous avez quel pourcentage vous avez de confiance en moi. La plupart du temps, c'est 90%. Mais bon, on ne sait jamais, hein. Il y a des personnes qui peuvent douter de beaucoup de choses. Et dans ce cas-là, je demande à la personne ou de me faire un virement sur mon compte ou de m'envoyer le chèque à mon adresse. Dès que je reçois le chèque, j'appelle la personne en lui disant: j'ai reçu le chèque, donc je vous ai fait la commande et sous 48 heures, vous allez le recevoir par Chronopost chez vous. Dès que vous le recevez, vous m'appelez, qu'on fasse la mise en place. Comment on commence ? Parce qu'il va y avoir 3 jours d'adaptation et ensuite on commence à la normale. Et après, le suivi, c'est le premier jour, le troisième jour, le huitième jour, le quinzième jour, le 28e jour. Et bien entendu, ma ligne est ouverte pour toute question, à tout moment, bon, pas à 2 heures du matin bien sûr, mais à tout moment, si la personne a besoin
de renseignements. Et ce suivi est capital parce que ben d'abord, il y en a beaucoup qui se trompent. Pourtant, c'est facile, mais j'ai eu des PDG, j'ai eu des directeurs d'école, ben ils se trompent. Est-ce qu'ils pensaient que ce n'était pas important? Pourtant, ils l'avaient écrit, parce que j'aime bien que la personne l'écrive. Mais bon, il y en a qui se trompent, donc il faut corriger. Et puis après, il faut voir comment ça se passe, si la personne n'a pas faim, si elle boit bien, etc. Ça, c'est mon travail. Il faut absolument que la personne se pèse au départ, et toujours sur la même balance, c'est le mieux. Et surtout qu'elle prenne ses mesures. Ça, c'est capital. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris, j'ai mis longtemps avant d'apprendre ça, parce que. Donc, on demande que la personne prenne son haut de genou, là où ça peut être un peu plus replet, le tour de cuisse, le tour de hanche, le tour de taille, le tour de poitrine, parce que ce n'est pas normal si une femme perd de la poitrine. Il va se passer une chose, oui, elle va voir une différence de centimètres en tour de poitrine. Mais parce que tout simplement, c'est le gras du dos et le gras de dessous les bras qui s'en va. Et comme me dit la maman à ce moment-là, elle me dit, mais par contre, je remplis mes bonnets de soutien-gorge de la même façon. Bien entendu, elle n'a pas perdu ses seins, c'est pas normal. Mais par contre, elle a perdu les endroits derrière le dos et sous les bras. Ensuite, un tour de bras, donc le tour du biceps. Là, ce n'est pas obligatoirement que du muscle, donc on peut perdre aussi de la graisse. Et puis le tour de tête comme un œuf de Pâques. Alors ça, voilà, mon dernier client, bon, c'est vrai qu'il était vraiment rond, en pesant 110 kilos, et là, il est déjà à 7 cm de tour de tête. Et j'ai toujours été émerveillé de voir que une femme qui perdait comme ça du tour de son visage, parce qu'on mesure en passant sous le menton et on passe sur la tête comme un œuf de Pâques, et là les pommettes réapparaissent, le dessin de son visage apparaît. Et des personnes qui ont toujours trop de poids, on voit pas vraiment la beauté qu'elle avait. Et quand elle mincit comme ça, elle retrouve un visage, une beauté. Il y a peut-être une beauté intérieure, mais là, elle avait une beauté de visage qui apparaît, ça m'a toujours émerveillé. Et ce qui est très intéressant, quelquefois j'ai eu des personnes qui perdaient très peu, qui perdaient seulement un demi-centimètre de tour de cuisse, et qui me disaient, c'est pas beaucoup, mais alors comment ça se fait que je rentre si facilement maintenant dans mon pantalon? Mais parce que quand la personne se mesure à un endroit, bien sûr, à cet endroit-là, elle le voit, elle a perdu un demi-centimètre, ou un centimètre, ou 2 cm. Là, mon client, il est à, je sais plus, 4 cm ou 5 cm de tour de chaque cuisse. Mais 2 cm en dessous, ou 2 cm au-dessus, il a aussi perdu 3 ou 4 cm. Donc, c'est sur toute la longueur de la jambe. Alors, peut-être qu'à la hauteur du mollet, c'est moins, mais. Quand il perd autour de la hanche, à l'endroit où se mesure, il va avoir perdu 7, 8 ou 15 cm, mais il a perdu aussi 2 ou 3 cm plus haut. C'est pour ça que les personnes se rendent compte que leur silhouette est en train de revenir vers la silhouette idéale. Parce que là aussi, c'est la merveille du corps humain. Le corps humain, quand une personne mincit, ce n'est pas normal si la personne perd du haut et qu'elle garde toujours ses cuisses, ou le contraire. Là, avec ce programme, la personne va retrouver cette silhouette idéale dont elle rêve. Voilà. Donc vous avez absolument tout entendu ce que j'avais à vous dire. Donc si vous m'appelez, ben, on verra ce que vous voulez. C'est peut-être pas pour vous au fait, mais peut-être que vous avez une maman qui est très fatiguée, qui reste sur le canapé, qui sort plus son chien. Peut-être que vous avez un papa qui a du cholestérol ou des triglycérides dans le sang, ou du diabète. Donc on va jamais dire que le produit va le guérir, il verra lui-même ce qui se passera. Par contre, il va retrouver une énergie, une forme et 20 ans de moins quoi, hein, c'est tellement agréable. Ou vous avez peut-être un enfant qui ne fait plus maintenant de sport parce que ben, elle était un peu trop ronde, particulièrement au niveau des cuisses et à mesure qu'elle courait, elle s'irritait l'intérieur des cuisses. Voilà, moi j'ai tellement vu de cas que on peut vraiment aider les personnes. Et puis il y a les sportifs.
sportifs du dimanche ou sportifs de très haut niveau, qui ont vraiment besoin d'avoir de la bonne nutrition. Et je vous assure qu'ils ne peuvent pas la trouver dans les protéines qu'ils prennent. Quand ils prennent les protéines, ça ne suffit pas. Il faut absolument tout un ensemble. Le corps fonctionne comme ça. Il lui faut les sels minéraux, les vitamines, les oligo-éléments, les bonnes fibres, les bons gras. Il lui faut boire. L'eau est très, très précieuse dans le corps. Donc tout ça, je vous l'apprendrai petit à petit dans votre suivi. Et ben, sans même que vous le vouliez, vous allez faire une affaire. Alors c'est vrai que ça, c'est aussi très important, parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une crise. Parce qu'il y a des gens qui vont voir ce qui se passe sur vous. Et qui vont vous dire, mais c'est incroyable, qu'est-ce que tu as changé? Tu as une jolie teinte, tes cheveux sont plus vivants, etc. Et à ce moment-là, vous lui permettrez, vous lui demanderez qu'elle vous donne son numéro de téléphone. Pour moi, je l'appellerai, je ferai le travail, ce que vous entendez, elle l'entendra. Et ça pourra être une de vos clientes. Donc à partir de ce moment-là, on ne parle pas simplement clientèle. On parle d'être client fidélisé à 25%, très vite à 35%. Et 1, 2, 3, 5 clients, ça fait vite 500 euros de plus par mois. Après, il y a un plan de carrière. Et les personnes qui sont dans cette société gagnent beaucoup plus que 500 euros par mois. Voilà. Eh bien, je vous souhaite, puisqu'on arrive à Noël, un très très beau Noël. Si vous ne voulez pas prendre du poids pendant les fêtes, ben appelez-moi avant, vous puissiez commencer avant. Et puis sinon, eh ben, vous pouvez prendre aussi de très bonnes décisions pour la nouvelle année. C'est comme ça que normalement ça se passe, hein. On prend des bonnes décisions. Après, est-ce qu'on les tiendra? Ça dépend de la force du caractère. Allez, très très belle fin de journée. À très bientôt, j'attends vos appels. Au revoir.